Nous voulons remercier spécialement notre partenaire principal, l'Office national du tourisme tunisien, présenté par M. Velutri, directeur central de la promotion et du marketing, qui nous a soutenus ces trois années, la quatrième année pour la réussite du paiement malgré le contexte. Et on remercie tous les journalistes internationaux présents à cet événement. On va laisser la parole à Maud, notre bureau de presse, pour annoncer et remercier les journalistes français présents. Et merci aux journalistes locaux tunisiens qui nous soutiennent et qui sont là pour ce congrès. Le bureau de presse parisien, nous avons fait venir la presse française, notre petite équipe qui est en comité restreint ici. Donc, nous avons Elisabetta, qui représente Madame Fashion. Ensuite, à côté, Marie Aforti, qui est là pour Paris Match. Florent Julienne, pour le Fashion Daily News. Et en plus, donc, nous avons France 2 qui est déjà partie, donc, qui était Isabelle Chanson et son équipe. Nous avions également le L, qui sont absents là pour la conférence, mais qui reviennent incessamment sous peu. Et demain, nous attendons France 24. Voilà. Tunis, juste après la Révolution, ce qui était quand même un contexte assez intéressant. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire avec Grand Fashion, on va couvrir tous les défilés en live, en espérant que la technique veut bien que nous puissions couvrir tous les défilés en live. Et sinon, on va se concentrer sur un article focus sur la mode tunisienne au sens large du terme. On va aussi évoquer un peu vers le design, la scène culturelle justement de Tunis. Et puis après, j'aimerais bien aussi faire une visite d'atelier avec Salah Dakhtar. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu pour cette fashion de Tunis. Moi, j'ai fait le casting pour la fashion de Tunis. Et cette année, on a décidé très long. Et cette année, on a décidé de ne pas faire appel à des étrangers parce que on a pris notre temps pour le casting. C'est un casting qui a duré un mois. Et on était là-bas toutes les après-midi, tous les jours pendant un mois, jusqu'à ce qu'on a trouvé ce qu'on voulait. Et on voulait que ça soit Tunisie. Vraiment des Tunisiennes, pour montrer à tout le monde que les Tunisiennes aussi, elles sont belles, elles sont grandes, elles sont minces et elles peuvent faire aussi des marchés, des podiums internationaux. Et le deuxième mois, parce qu'en Tunisie, on manque un tout petit peu, les filles, elles manquent un tout petit peu de. Elles ne savent pas se mettre en valeur et tout. On a fait toute une séance de relooking avec Mozart et First de salon tunisien. Bon, Mozart, c'est français, c'est une franchise. Là, on a fait des relookings, on a changé complètement, on les a appris à marcher, c'était moi. Je faisais les cours de marche pour toutes les filles. Tout ça, c'était gratuit, c'était pour l'avenir de la Tunisie. Mais nous, dans notre façon pour montrer qu'on aime notre Tunisie, on le fait dans notre domaine qui est la mode.